Cependant,
cœur vient de bien de lui. Dès que le défunt est là, il est sur son et convalescent depuis environ 15 ans, son départ ne fait pas exception de la cruauté de la mort à ce grand vide que laisse à son absence. Kérélan était de nationalité haïtienne, un ressortissant de la région d'Aquin, particulièrement à Jean-Baudet, né le 25 août 1935. Je me suis demandé si on a oublié Kérélan, parce que depuis mon arrivée jusqu'à ce jour, il y a 12 ans, je n'ai jamais entendu parler de ce frère, ni en bien, ni en mal. Je dis, qui est-ce que vous avez échappé à la règle? On doit vous dire si ça tombe. Et juste vous dire, vous êtes là, même au niveau de l'église là, pas jamais donné le nom, si des noms, vous venez. C'est comme s'il vivait dans une clandestinité inouïe. Il a su échapper ou se dérober de la surveillance sociale. Malheureusement, il n'a pas pu s'échapper à notre vrai ennemi, à nous, qui est la mort. En effet, il nous a quittés à pareille date de sa naissance, le 25 juin 2024, à son domicile privé à Malheureux, à l'âge de 82 ans. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son Seigneur soit béni. Ainsi, au nom de l'Église baptiste par la foi, au nom du conseil administratif de la petite église, au nom de ma famille et au nom personnel de la pasteur Jean-Louis Lucien, nous présentons nos sincères sympathies à son épouse, madame Kérélan Massillon, née Stéphanie Désir, à ses enfants, Humel, Hilaire et Wilky Massillon, à Hilaire Suret, son fils, à ses belles-filles, Éline Ramon Massillon, Mimose Plésimo Massillon, Bertilde Lubin Massillon, ses sœurs, Vessia et Bessina Massillon en Haïti, ses petits-enfants et ses arrière-petits-fils trop nombreux à citer, sa nièce Suzette Morisseau, son cousin Crispin Massillon, enfin, aux parents, aux proches parents, amis et à tous ceux et celles qui se réaffichent, toute l'Église baptiste par la foi se joigne à moi pour vous dire bon courage, que la paix de Dieu vous soit. Merci. Avec nous, la sœur Marie-Louise, pour la visibilité de la Seigneur. Il est le point de moi.
sur Billet Floristan, nous sélectionnons tout de suite. Après ce Billet Floristan, la monde est acquis et Harry capable de prêt pour une capable pour mon biographie de fin. Merci. Jusqu'à pas.
soeur qui est mort, et mon grand-père est parti en Haïti pour avoir une meilleure vie pour sa famille. Dans le but de pérenniser une génération internationale. De ce fait, il a eu 4 enfants. Le premier a son père, qui lui lui a donné 3 garçons et une fille. Puis il a eu ma soeur hier, qui a eu 4 garçons. Ma soeur Wilkie, avec 2 filles et un garçon. Et nous avons Yvner, Suzanne, qui a 3 enfants. Sans oublier que tout ça, ça fait que une première génération, mais il a pu voir jusqu'à 3 générations maximum. C'est pas rien, 3 générations, c'est plus d'une décennie. Hein. Malgré sa maladie, il s'est toujours souvenu de nous tous, ses proches, sa famille. Il a toujours su reconnaître chaque personne, même si c'est avec des difficultés, mais il nous a toujours gardé dans ce cœur. Ma sœur, qui est maintenant, aimait beaucoup sa femme. Pour ma part, je passais vraiment beaucoup de temps chez lui quand il était petit. Et j'avais entendu une fois, jamais, ma maman se plaint de quelque chose. Si vous me demandez aujourd'hui pourquoi il travaillait, je ne saurais vous dire. Mais tout ce que je peux vous assurer, c'est qu'il a toujours fait en sorte que sa famille ne manque plus rien. Et quand je dis rien, que ce soit pour ma grand-mère, mon père, ses petits-fils, je peux vous dire avec assurance qu'il a assuré son rôle de grand-père durant une bonne partie de sa vie. Ma soeur Léon, mon grand-père, nous a laissé, mais il ne nous a pas laissé avec le cœur. Oui, 89 années, c'est une très belle vie. Et je vous remercie d'avoir tenu jusqu'au bout, de nous avoir permis de faire vivre à nous tous le bon moment. Il nous a permis aussi de voir le bon côté, d'être là au bon moment, de nous soutenir, de pouvoir partager des moments. Pour moi, mon grand-père, c'était pas seulement mon grand-père, c'était aussi mon père. Expérience depuis mon plus jeune âge. C'est lui qui m'a appris à faire beaucoup de choses, à fermer la serre, à me laver, à me lécher les cheveux. C'est vrai que ces petits gestes sont arrivés, mais pour moi, c'est quelque chose que je garde. Il a toujours été là pour moi, pour ma scolarité. Il me soutenait toujours. Si ma soeur Léo nous laisse un héritage incorporel, un héritage perpétuel, nous laisse à nous tous tout ce qui est bon sur cette terre, nous donne la force aujourd'hui de pouvoir surmonter les épreuves de cette vie. Sa vie, je pense, a touché beaucoup de personnes jusqu'à 3 générations.
connaissance qu'il a eue, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un dans sa vie. Et je remercie aussi mes parents pour tout fait pour que je puisse être cette personne. Je vais laisser à mon frère, à qui, nous faire plus de détails sur ce qu'il a fait pour nous, pour tous. Je pense qu'on nous séduit en tant que guide de la famille, qui puisse nous faire voir en fait ce qu'il a fait. Bonjour, professeur. Quelle fois que je sois avec vous. Comme mon frère l'a dit, vu ma fin de mon discours, enfin, pas trop, j'aimerais vous parler de mon grand-père. Bon, sûrement, je vais faire beaucoup de choses, je vais pas beaucoup de moi, mais c'est important que j'arrive au second de mon discours. D'abord, mon grand-père, c'était un homme gentil. Quand je vous dis gentil, c'est très très gentil. Comme j'ai dit à mon père hier soir, il n'y a pas une fois que j'ai vu mon père fâché, ni aussi ton. Donc, c'est quelqu'un qui était souriant, qui avait un beau sourire, et que je suis content que mon petit frère, Henri, a pu faire un enfant, un fils, qui a eu le même sourire que mon grand-père. Donc, du coup, par Kenaège, Maximon, je peux tout le temps voir mon grand-père, même soit dans mon grand-père, sur le visage, dans mon neveu. Mon grand-père, c'était quelqu'un de drôle, très drôle. C'était quelqu'un aussi qui était rempli de sagesse. Donc, quand je vous dis, tout à l'heure, il n'avait pas la colère facile. Il n'aimait pas que nos parents, que sa maman, papa, c'est là où il pourrait montrer son désaccord. Il n'aimait surtout pas quand mon père me tapait. Il était toujours contre. Et ça, je ne l'ai jamais oublié. Il me fait, on est là tous, quand c'est prêt, ça s'agit. On a tous ses patiences. On a sa gentillesse. Et. Désolé. Je peux dire aussi que c'est un grand-père qui aimait raconter sa vie, son vécu, sa famille, là où il était, là où il est né. Donc du coup, j'ai eu la chance de connaître le nom de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-père. Il nous a aussi appris que là où il était, c'était pas facile à l'époque. Donc du coup, on a tous hérité du côté inébranlable. Donc du coup, on arrive toujours jusqu'au bout, même si ce n'est pas facile, mais on ne met jamais les bras, ça on tient de son côté. On racontait toujours des histoires, et on pouvait faire des heures, deux heures, trois heures, sans fatigue, à l'écouter, parler de nos pères. Comment il a dit qu'il allait faire. Là où il était en Haïti, comment il a rencontré ma grand-mère qui est là ici présente. Et je peux aussi dire que c'est un homme très galant. Galant, sauf que ma famille ici présente, il est très 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 galant. Il aimait sa femme plus que tout. Raison plus où, pour mon père, quand je vois mon père et ma mère discuter, quand mon père fait des petits avances à ma mère, je sais que mon père il a pris ça de son côté, avec des belles paroles, etc. C'est
quelqu'un de très grave, très sympa. Je vais vous dire un petit anecdote. Quand ma grand-mère est partie en Haïti, il était, je crois, ma grand-mère est partie pendant 2 semaines en Haïti. Donc il était resté à la maison, un retour. Je peux vous dire que mon grand-père, il n'a pas voulu rester plus de 5 jours, sans sa femme. Il voulait carrément dire à mon père qu'il me redescende à la maison et qu'il voulait voir sa femme. Donc c'était quelqu'un qui ne pouvait, pouvait pas vivre sans ma grand-mère, ici présente. Je dis aussi que mon grand-père, c'était un homme très attentionné envers ses petits-enfants. Bon, Harry, Emmanuel, Thierry, Samuel, Salim, Nathanaël, tous ses petits-enfants. C'était quelqu'un aussi qui était infatigable. Il se réveillait à 5h du matin, je crois, si je ne me trompe pas. Il se levait, il se demandait, il se couchait. Il prenait, il faisait la route Saint-Gilles pour aller à Grémont. Et à 6h30 du matin, il est assis à côté de la porte, à nos arbres. C'est lui qui nous réveillait, nous faisait notre bain, faisait son petit déjeuner. Ensuite, à pied, il nous ramenait à l'école, toujours à l'heure, sans voiture, infatigable. Ensuite, quand il faisait 15h30, lors de finir l'école, il était toujours à l'heure. Je le voyais dans la salle de classe, passer à travers la fenêtre. Et c'est depuis là que je me suis dit, dans l'école va terminer, donc je commence à préparer mon cartable. Il était toujours à l'heure. Donc il était jamais en retard. Jamais. Jamais. Sans voiture, il faisait Saint-Gilles à Concordia, ainsi de suite. Pour finir, personnellement, mon grand-père, il m'a apporté beaucoup de principes. Et beaucoup de valeur. Et j'ai eu la chance, comme mon frère, mon grand-père n'était pas riche. Il n'était pas riche. Mais le fait qu'il m'a inculqué des valeurs et des principes, ça vaut que plus la richesse du monde. Et il m'a appris aussi qu'avec très peu, avec très peu de moyens, on pouvait accomplir de bonnes choses. Et quand je dis de bonnes choses, il y a la détermination, la conviction. Mon grand-père, il avait été paré sur le fusil. Il est parti récupérer mon père dans le tir. Ensuite, mon père, il est revenu ici. Et mon oncle qui est en live, qui est un ami, qui se présente. Et par le biais de mon père, il est parti avec une madame en Haïti. On veut dire que la détermination joue tout sur toute une génération. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils fondent une famille, une très grande famille de Massillon. Et que je veux dire ici présent, qui serait très content de vous voir ici. Très très content. Aussi, personnellement, je peux vous dire, je ne peux pas vous dire en fait, l'amour, précisément l'amour que j'ai pour mon grand-mère, pour mon grand-père. Mais il y a juste une seule chose. J'ai un amour inconditionnel. Désolé papa, je ne fais jamais. Un amour inconditionnel, c'est qu'il était là depuis petit. Jusqu'à ce que je commence à partir au collège, où je prenais la route tout seul. Ensuite, je ne peux pas vous dire quelque chose qui est important dans ma vie. Parce que je pense que j'ai la chance d'avoir un grand-père présent. Il y a très peu d'enfants qui ont eu la chance, qui ont cette occasion de grandir avec un grand-père, un amour, sans hypocrisie, sans gêne.
Et je peux dire que j'ai des souvenirs que je peux partager sur des générations avec des enfants, ainsi de suite. Et que je pense aussi que c'était son rêve, c'est le rêve de tout papy, de raconter ce qu'il a fait avant un grand homme. Et une seule chose que j'aimerais dire à mon grand-père, mon grand-enfant, c'est que je l'aime. Et que je vais gérer une fille. Merci beaucoup. Merci Anki et Aoué. Merci. Tout de suite, après place, avec mon premier nom en sélection par eux. Suite après mon premier, on a demandé le prix de la liste à la fois, capable de faire tout le monde pour capable de venir sélectionner. Merci de l'audition.